reconnaître que notre Dieu siège au milieu de ses enfants. Amen. Pour reconnaître que l'Éternel est vivant et que l'Éternel règne. Alléluia. Mettons-nous debout et confessons que notre Dieu est là au milieu de nous. Il est présent et il règne. Il est élevé au-dessus de tout. Seigneur, nous savons que tu es là. Ta parole déclare que là où il y a deux ou trois assemblés en ton nom, tu es présent. Et nous sommes là au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dise amen. Et tu es là, présent au milieu de nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons le confesser. Nous voulons entrer, Seigneur, dans ce culte, fort de cette certitude que tu es là avec nous, que tu es assis sur le trône et que tu es élevé. Et nous disons, Seigneur, que tu es présent. Il est présent, il est présent. Il est présent, il est présent. Il est présent, il est présent. Il est présent, Jésus est présent. L'occasion t'est donnée de rencontrer ton Seigneur. Il est présent. Il est présent. Jésus est présent. Il est présent. Jésus est présent. Il est présent. Il est le roi, il est le roi. Maintenant, tu es devant ton Seigneur. L'occasion t'est donnée de le rencontrer en intimité et avec le peuple, en intimité et avec toute la famille. Notre Dieu est élevé. Alors, accueille-le. Accueille-le. Seigneur, merci. C'est une grâce d'être dans ta présence. C'est une grâce d'être là ce matin. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de toi, mais Seigneur, tu as voulu que nous soyons là. Aussi, Père, je ne veux pas gaspiller ce temps, Seigneur. Je ne vais pas, Seigneur, le mettre, l'utiliser n'importe comment. Je veux, Seigneur, être dans ta volonté. Je veux, Seigneur, me tenir tout près de toi, Seigneur. Je veux, Seigneur, me sentir libre de t'adorer, libre de te servir ce matin, Seigneur. Je refuse qu'aucune fatigue, qu'aucune pensée, qu'aucune situation se mette en travers de toi et moi, Seigneur. Ce matin, je viens t'élever. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Chante avec moi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Je veux exprimer, Seigneur, toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, je veux dire mon désir de t'appartenir ce matin. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un bouclier.
désir, celui de t'adorer, mon roi. Si telle est ta volonté, si telle est ton désir ce matin, alors chante-le avec foi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Des familles, Seigneur, c'est ton nom que nous brandissons, Seigneur notre Dieu. Pendant que les uns viennent avec des chars, les autres avec des chevaux, Seigneur, nous brandissons ton nom. Et ce matin, nous voulons t'élever. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. Nous te recevons et nous t'accueillons au milieu de nous par Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, nous voulons élever le roi, nous voulons adorer le roi élevé. Nous lisons dans 1 Chronique au chapitre 16, verset 31. 1 Chronique au chapitre 16, verset 31, un seul verset, et nous allons célébrer notre Dieu. La Bible dit, lisons tous ensemble, que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Amen. Amen. Que la fraternité confesse ce matin, Amen. L'Éternel règne. Amen. Mon bien-aimé, c'est notre confession et nous allons célébrer ce Dieu qui règne. Alléluia. Alors nous allons ouvrir les portes au Seigneur et le laisser entrer dans nos cœurs. Ouvrons les portes de nos cœurs et que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Oh,
Nous chantons sa grandeur, il est digne de louange. Alléluia. Car de nos montagnes et nos vallées, de nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer, pour louer Dieu et proclamer ensemble, oh, qu'il est le Créateur. Rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. Victoire. La victoire est assurée, hey, hey, si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données, hey, hey, pour venir fermer pour tout surmonter. Nous sommes venus te rendre culte ce matin. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est présent, l'Éternel règne. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. Il est écrit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. À chaque fois que tu ne l'as pas fait, demande pardon. À chaque fois que tu as failli, demande pardon. Car nous voulons entrer dans le sein des saints. Que rien ne t'empêche d'offrir. Que rien ne t'empêche de venir présenter le fruit de tes lèvres. Qu'aucune accusation ne se tienne devant toi pour t'empêcher de voir le grand Je suis. Alors je t'invite à venir devant le trône pour
demander pardon. Demandons pardon à Dieu, car nous avons oublié notre premier amour. Nous sommes venus plusieurs fois pour rencontrer le Seigneur et nous sommes partis sans même lui parler, sans même l'entendre, sans même l'écouter. Demandons pardon à Dieu, car notre foi a été habillée d'autre chose que de la simplicité. Demandons pardon à Dieu, car nous avons oublié notre premier amour. Et revenons à lui. L'Éternel est présent au milieu de nous. Ta relation avec lui, il est prêt, il est là pour l'arroser, pour qu'elle redevienne ce qu'elle était. Le plaisir que tu avais de lui parler tout simplement, sans même ouvrir la bouche, mais de lui parler cœur à cœur. Le Seigneur est là et il te dit, je suis là mon enfant. Ne t'ai-je pas dit, je ne t'abandonnerai point. Et ce matin, il vient te rappeler à lui. Reviens à ton premier amour. Tu es peut-être servant. Tu sers dans plusieurs domaines. Mais le Seigneur dit, ce que je te reproche, c'est que tu as oublié ton premier amour. Alors demande au Seigneur, ce jour, la consécration est à la portée de tous. Si tu veux, si tu veux. Nous avons eu toutes les raisons de ne pas servir le Seigneur avec assiduité, mais ce ne sont pas des raisons valables. Devant le Seigneur, nous nous sommes justifiés, mais seul le sang de Jésus-Christ nous justifie. Galates 5, verset 1 dit, c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Et ne nous mettons pas nous-mêmes sous le joug de l'esclavage de nouveau. Mon bien-aimé, saisis cette occasion où tu es face à ton Seigneur pour revenir à ton premier amour. Le ministère est-il devenu une routine? Refuse. Le service est-il devenu une routine? Refuse. Rentre en profondeur. Sers le Seigneur, non pas parce qu'il faut le faire, non pas parce que dans le ministère on a dit si de le faire. Sers le Seigneur parce que tu aimes servir le Seigneur, parce que tu l'aimes. Pardonne-nous encore pour nos pensées, nos cœurs qui sont si impurs et d'avoir encore commis notre propre volonté au lieu de la tienne, Seigneur. Je prie afin que notre cœur et nos pensées encore puissent encore être disposés à recevoir, à faire ta propre volonté, Seigneur. J'insiste.
recevons le pardon au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous conduise devant le trône du Père en ce moment. Que l'Esprit de Dieu te libère de toute peur, de tout doute. Que l'Esprit de Dieu te conduise sur les sentiers de l'adoration. Va puiser dans le puits d'adoration et élève cette adoration. Élève cette prière devant le trône, car il agrée ta présence. L'Éternel agrée ta présence. Ce matin, que l'Esprit de Dieu te conduise au nom de Jésus-Christ. Vérité, vérité, et en paix.
chacun soit libre, Seigneur. Libère nos cœurs, libère nos pensées dans ta présence, Seigneur. Et que notre adoration soit authentique, Seigneur. Ce que je pense dans mon cœur, Éternel, que je puisse le dire de ma bouche aussi. Viens nous libérer de nous-mêmes, oh Jésus. Saint-Esprit, répands ton onction sur nous. Viens nous parler au-dedans de nous. Souffle, Seigneur, ton esprit. Souffle, Seigneur. Que ce, mon Dieu, mon roi, qui se disent, je vais juste parler en l'air, Seigneur mon Dieu. Que ton esprit se saisisse de nous. Et que nous puissions adorer en esprit, en vérité, Seigneur. Pas comme nous avons pensé, mais selon ce que toi tu as prévu ce matin. Pardonnez-moi. Le Seigneur veut faire une guérison des cœurs ce matin. Le Seigneur veut opérer une guérison des cœurs ce matin. Le Seigneur veut faire quelque chose ce matin dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur veut opérer une guérison ce matin. Une guérison de l'âme. Ton âme est remplie des préoccupations de ce monde. Et tu viens servir machinalement. Tu viens juste par légalisme. Le Seigneur te dit, donne-moi le temps. Donne-moi le temps. Ton âme, tes pensées sont remplies des préoccupations de ce monde. Ton cœur est rempli de plusieurs sentiments. Ton cœur est rempli de déceptions. Ton cœur est rempli de blessures. Ton cœur est rempli de ressentiment. Mais tu aimes le Seigneur. Dieu te dit, je te connais. Mais laisse tomber tout ça. Laisse tomber tout ce qui est à côté. Dieu veut faire une guérison ce matin. Dieu veut faire une guérison ce matin. Il y a ce verset qui dit, il n'est pas toujours bon de revendiquer son droit. Laisse tomber, pardonne, avance. Ça te bloque. Laisse tomber, pardonne et avance. Ça te bloque. Dieu veut faire quelque chose ce matin. Il y en a ceux qui sont occupés par les choses de ce monde. Le travail, les factures, on en parle souvent, mais l'ennemi les utilise réellement. Tu ne t'en rends même pas compte. Tu te dis, c'est normal, je dois me battre, je dois me battre, je dois me battre. Mais laisse le Seigneur faire sa part. Et toi? Et toi qui as le cœur meurtri,
Et toi qui as le cœur meurtri, tu n'as, il n'y a pas de droit d'avoir ce cœur. Tu penses que tu es dans ton bon droit, mais non, mais non, mais non, mais non. Tu perds le temps. Tu perds le temps. Le Seigneur veut opérer une guérison ce matin. Libère. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber et avance. Laisse tomber et avance. Bien-aimé, je ne vais citer aucun nom, mais chacun se reconnaît. Chacun se reconnaît. Et toi, tu donnes toutes les raisons pour ne pas rentrer dans un ministère. Oh, ma famille me veut ici, ma famille me veut là-bas, ma famille me veut faux. C'est ta décision. Si Dieu t'appelle quelque part, vas-y. Ce n'est pas la famille qui décide où tu seras. C'est Dieu qui t'appelle. Tu te reconnais. Tu as même prié devant le Seigneur afin que Dieu te donne le courage d'entrer dans ton ministère. Mais non. Ta sœur, ta mère te parle. Et tu as peur de t'engager complètement. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Et toi qui as murmuré quand tu as travaillé, tu as servi le Seigneur et tu as murmuré. Dieu a entendu. Dieu a entendu. Réponds-toi. Réponds-toi. Car le Seigneur t'aime et il attend que tu te relèves et que tu reviennes à lui. Celui qui a fait les cieux et la terre, c'est celui qui nous aime. Oui, Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi. Gloire à toi au plus haut des cieux. Et que ta paix soit sur cette terre, sur tes enfants, ceux qui t'aiment. Oui, tu es digne, Seigneur Jésus-Christ. Que l'univers entier se prosterne devant toi pour t'adorer. Que nos cœurs te chantent à jamais. Digne-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tout notre cœur,
Yeshua, Yone Yeshua, Yone Yeshua. Spread your spirit, Holy Ghost. Spread your spirit, Holy Ghost. Spread your spirit, Father. Father, Lord, do your thing. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux. Sature ce lieu de ta présence, mon notre Dieu. Sature ce lieu de ta présence, Papa. Sature ce lieu de ton esprit. Thank you.
Que l'atmosphère spirituelle se libère encore plus. La connexion avec le trône. La connexion avec le trône. La connexion avec le trône. Et Jésus-Christ qui renverse les trônes étrangers. C'est le nom de Jésus-Christ qui renverse les trônes étrangers. C'est le nom de Jésus-Christ qui surpasse tout autre nom. Le nom de Jésus-Christ qui vient faire coucher Dagon et Baal sont à terre. Et le nom de l'Éternel est élevé au-dessus. Le nom de Jésus-Christ qui renverse même tes sentiments et tes émotions, ta perception du monde. Là où tu crois que tu es bloqué, le nom de Jésus vient débloquer les portes. Là où tu crois que tu ne peux plus avancer, le nom de Jésus vient débloquer les portes ce matin. Le nom de Jésus vient débloquer les portes ce matin. Il n'y a aucun blocage devant le nom de Jésus. Il n'y a aucun blocage devant le nom de Jésus. Alors, je confesse, je confesse, je confesse, je proclame le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Je confesse et je proclame le nom de Jésus-Christ. Aucun blocage ne subsiste devant le nom de Jésus. Alléluia. Ce nom est si merveilleux. Alléluia. Ce nom est si glorieux. Aucun blocage. Aucun blocage. Aucune porte fermée ne résiste devant le nom de Jésus. Aucun sentiment, aucune émotion, aucune perception ne peut résister devant le nom de Jésus. Ne dis jamais, je n'y peux rien, parce qu'en Jésus tu es libre. Ne dis jamais, je n'y arrive pas, parce qu'en Jésus tu es libre.
ne dis jamais je ne peux plus le faire, parce qu'en Jésus tu peux tout car il te fortifie. Alléluia. Dieu appelle quelqu'un ce matin. Dieu appelle quelqu'un ce matin. Il t'a appelé pendant des semaines, pendant des mois. Et aujourd'hui, il t'appelle encore. Il t'appelle encore. Aucun blocage n'est au-delà du nom de Jésus. Aucun blocage n'est au-delà du nom de Jésus. Seigneur, que ta parole nous affranchisse. Père éternel, que ta parole soit annoncée. Oh notre Dieu, et qu'elle nous affranchisse. Père, je demande l'onction prophétique sur ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Papa, je demande ton onction prophétique au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, que cette parole vienne faire tomber les hauteurs, que les murs de Jéricho reculent, que les murs de Jéricho tombent dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos cœurs de pierre, Seigneur, soient brisés ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta parole nous affranchisse. Que ta parole nous affranchisse ce matin. Que ta parole nous affranchisse ce matin. Car elle est annoncée en ton nom. Car elle est annoncée en ton nom. Et la Bible dit que tu es fidèle. Tu veilles sur ta parole et tu l'accomplis. Seigneur, ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est toi qui l'as dit. Et ce qui est dit, Seigneur. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir l'accomplissement de ta parole dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Que ta parole nous affranchisse ce matin. Levons-nous et prions pour recevoir la parole de vie. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur, sachant que je ne mérite pas de vivre. Seigneur Jésus, fais que ce que tu vas semer dans nos cœurs, que le diable ne vienne pas voler ce que tu vas semer, Seigneur. Aide-nous à être concentrés. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié, amen. Acclamons la parole de Dieu qui va nous affranchir. Elle sera annoncée par notre papa évangéliste, papa Samuel Kondé. Love the holy Lamb of God.
by Jesus Christ, the Lamb of God. Yes, I was lost. I should have died, but you have brought me to your side to be led by your staff and rod and to be called the Lamb of God. Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Dites avec moi, laver leurs filets. Dites-le encore, laver leurs filets. Verset 3, il monta dans l'une des barques de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis Jésus s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait.
Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, Seigneur, Maître, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car le pouvant l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Simon, ne crains point. Simon, non, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, il les serra. Il les serre tout. Le miracle, il les serre tout. Et suivirent Jésus. Et les suivirent. Il les serre tout le miracle. Et ils le suivirent. Si vous avez compris, dites amen. Vous pouvez vous asseoir. Pardonnez-moi. Il est certain. De ces textes bibliques, nous retenons comme thème conseil de la part du Saint-Esprit pour se relever d'un échec. Amen. Conseil pas de ma part, mais de la part du Saint-Esprit pour se relever d'un échec. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a déjà connu un échec dans sa vie. Est-ce que quelqu'un n'a jamais connu un échec dans sa vie? Si vous êtes là, levez la main. Amen. Nous sommes tous des humains. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui n'a jamais connu un échec. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a déjà connu un échec dans sa vie. Vous avez connu un échec dans une relation. Vous avez échoué dans les études. C'est un échec. Dans la famille, les parents qui ne s'attendent plus avec les enfants. Entre frères et sœurs, il y a la guerre. C'est un échec. Vous avez connu un divorce. C'est aussi un échec. Vous avez investi, vous avez commencé une affaire, vous avez investi beaucoup d'argent, vous avez investi votre énergie, votre temps, mais au final, l'affaire n'a pas abouti. C'est aussi un échec. Il y a plusieurs échecs dans la vie. Mais malheureusement, on a constaté qu'après chaque échec, l'être humain a souvent des difficultés à se relever. Quand on a connu un échec, nous avons souvent des difficultés à recommencer à cause du découragement. Surtout lorsqu'on a atteint un niveau où tout était presque parfait. Vous étiez devenu une référence des réussites. Tout le monde voulait être comme vous. Mais lorsqu'on perd tout ça, on a tendance à s'enfermer sur soi-même. On devient anxieux.
On a juste envie de crier de détresse. Parfois même, on commence à accuser Dieu. Seigneur, pourquoi tu as permis qu'une telle chose m'arrive? On commence à fuir les gens, on n'a pas envie de parler. On commence à dire, Dieu m'a oublié, c'est fini. On s'éloigne même de l'église. On commence à conjuguer son passé avec beaucoup de tristesse. À chaque fois que vous avez l'occasion de parler devant les gens, on sent que votre cœur est rempli de tristesse. Même sur votre visage, on voit que vous avez connu un échec. Mais cet après-midi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle de la part de celui qui n'a jamais échoué. Et il n'échouera jamais. Son nom, c'est Jésus. Avec lui, tu peux tout recommencer. Avec lui, tu as le droit d'espérer encore. Lui n'a jamais échoué. Lui n'a jamais échoué. Oui, tu peux dire, j'ai tout perdu. Mais je n'ai pas perdu celui qui peut tout donner. Alléluia. Lui ne dépend ni des temps, ni des saisons, ni des circonstances. Avec lui, tu peux tout recommencer. Avec lui, tu peux tout recommencer. Avec lui, tu peux retrouver le sourire. Avec lui, tu peux encore retrouver la joie de vivre. Avec lui, tu peux encore chanter. Avec lui, tu peux encore danser. Avec lui, tu peux encore retrouver la joie de vivre dans un mariage. Alléluia. Avec lui, tu as le droit d'espérer encore. Alléluia. Alors voici quelques conseils de sa part afin que tu te relèves de ton échec ou de tes échecs. Amen. Alors voici quelques conseils. Premier conseil, donner de l'espace à Jésus malgré ton échec. Donner de l'espace à Jésus malgré ton échec. Nous restons sur notre texte. Nous allons réfléchir ensemble sur le texte que nous avons lu pour comprendre comment Jésus a procédé pour que Simon et ses amis se relèvent de leur échec. Amen. Premier conseil, donner de l'espace à Jésus. Nous le trouvons dans le verset 3. Jésus monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. Alors, nous voyons ici que Simon cède le seul instrument avec lequel il gagnait sa vie. Amen. Il a donné de l'espace au Seigneur. Malgré son échec, malgré la déception, il donne de l'espace au Seigneur. La barque, c'était son trésor, c'était son gagne-pain. Mais il le donne au Seigneur. Lorsque tu as connu un échec, rassure-toi que Jésus occupe toujours la première place dans ton cœur. Alléluia. Lorsque tu as connu un échec, rassure-toi que Jésus occupe toujours la première place dans ton cœur, dans ton trésor. Alléluia. Car là où est ton trésor, là aussi sera. Alléluia. MT 6, 21. MT, pas MJ, mais MT. MT, c'est Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 21. Amen. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors lorsque tu as tout perdu sur la terre, il te reste quoi? Juste ta vie, juste ton cœur. Alors Jésus s'intéresse à ton cœur. Donne-lui tout l'espace malgré ton échec. Alléluia. Deuxième conseil, quand il est là, obéis à ce qu'il te dira. Quand il est là, obéis à ce qu'il te dira. Toujours dans le verset 3, Jésus le pria de s'éloigner un peu de terre. Pierre pouvait dire, ah non, tu es monté dans ma barque, j'ai accepté, mais tu me demandes de s'éloigner encore, de retourner encore dans l'eau. Mais non, je suis fatigué. Toute la nuit, je l'ai passé dans l'eau. Et en plus, je n'ai attrapé aucun poisson. Donc, j'ai accepté que tu montes dans ma barque, fais ce que tu as à faire, ensuite je rentrerai chez moi. Il pouvait aussi dire ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pierre, il a obéi. Bien-aimés, parfois, nous passons à côté d'une bénédiction.
Vous savez, Dieu nous prépare avant d'accéder à une bénédiction. Alléluia. Un miracle, c'est un processus. Un miracle, le diable, il donne instantanément, paf, il te donne, mais les conséquences. Mais Dieu te prépare pour que tu accèdes à un miracle, pour que tu sois capable de porter ta bénédiction. Alléluia. Obéis à ce qu'il te dira. Pierre, malgré l'échec, malgré la fatigue, il donne de l'espace au Seigneur. Ensuite, il obéit sans murmurer. Il s'éloigne un peu de terre. Donc, quand Jésus est là dans ton cœur, laisse-lui diriger les choses. Alléluia. Quand il est là, obéis à ce qu'il te dira. Troisième conseil, sois un partenaire de Jésus pour propager l'évangile. Sois un partenaire de Jésus pour propager l'évangile. Comme nous le savons, bien-aimés, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Amen. Je m'explique. Tu reçois la parole de Dieu. C'est gratuit, n'est-ce pas? Maintenant, à ton tour, tu es ici. Tu veux aller, admettons, à Mons pour aller évangéliser. Tu vas aller comment? Tu vas disparaître comme Jésus et tu te retrouves là-bas? Tu vas prendre le transport. Amen. Et les transports, ça coûte. Amen. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Alors, Jésus lui demande de s'éloigner un peu de terre. Pierre a accepté, il s'est éloigné. Le verset 3, encore, B. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Il s'assit où? Jésus est assis où? Jésus est assis où? Non mais dites-le. Jésus est assis où? Dans la barque. Amen. Pour prêcher l'évangile. Bon, Jésus, il pouvait aussi choisir de s'asseoir sur l'eau. Il en a le pouvoir. Mais je pense que personne n'allait rester là. Amen. Personne n'allait rester là. Mais il fallait... Ah, Jésus, il est vraiment Seigneur. Alléluia. Pourquoi Jésus lui demande de s'éloigner un peu de terre? Pourquoi ne pas juste rester au bord du lac et parler à la foule? Parce que nous savons que Jésus entraînait des foules. Et nous savons qu'il a nourri 5000 personnes sans compter les enfants et les femmes. Amen. Mais maintenant, Jésus, comme il ne pouvait pas parler au bord du lac, parce que quand même, il y a le bruit des vagues qui arrivent. S'il reste au bord du lac, mais franchement, une foule, on parle bien d'une foule. Mais je pense que les trois quarts de la foule n'allaient même pas entendre sa voix. Mais comme il est le maître de la nature, Jésus a utilisé le micro naturel. Alléluia. Voici ma réflexion. Pourquoi Jésus lui demande de s'éloigner un peu de terre? C'est pour que le vent qui vienne de l'eau puisse produire un écho favorable de sa voix. Parce que tu ne peux pas parler devant une foule sans micro. Oui, nous, on ne peut pas. Mais Jésus était le maître de la nature. Et Jésus étant maître de la nature, il a utilisé sa divinité. J'en ai fait l'expérience. Le mois passé, avec ma famille, nous sommes allés passer 3 jours à la côte belge. Maintenant, mon fils va comprendre pourquoi je lui ai posé une question quand nous étions là-bas. Nous étions vraiment, notre appartement était vraiment au bord de la mer. Donc on ne voyait rien. Quand on était dans l'appartement, on ne voyait que la mer. Et vers
des heures. Bon, moi, Dieu me parle souvent quand les TLC se réunissent. TLC, c'est temps, calme, lieu, calme, cœur, calme. Je me suis réveillé à 2 heures du matin. J'avais prévenu mon épouse que je veux me réveiller, je serai au salon en face de la mer et je veux méditer. C'est là où j'ai reçu cette parole le mois passé. Je méditais, je me disais, Seigneur, mais comment tu as parlé à une foule au bord de la mer? J'ai commencé à méditer et j'ai écrit toute cette prédication. Et le lendemain matin, nous sommes sortis, nous sommes allés au bord de la mer. Je suis un nageur, je nage bien. Oui. J'ai commencé à avancer vraiment dans l'eau. J'avançais. Et puis j'ai dit à mon fils, celui qui est au piano, je lui ai dit, comment tu écoutes ma voix? Il a dit, mais ta voix vient comme une vague. Vous avez compris? Moi j'étais vraiment, l'eau était presque là. Et j'ai parlé. Reste. Que tu entends ma voix? Il me dit, mais oui, ta voix vient comment? Une vague. Ah, j'ai compris. Seigneur, mais tu es Dieu. Mais comment tu pouvais parler à une foule? Mais il fallait, oh là 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 là, il fallait la stratégie divine. Les vents. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un homme. Jésus est Dieu. Et quand le Seigneur m'a révélé cette vérité, j'ai dansé. J'ai dit, Seigneur, waouh, comment tu peux parler à une foule au bord du lac? Il y a des vagues. Et quelques minutes après, comment on les appelle, le sauveteur, il était sur... comment on appelle ça, le jet ski, oui, parce que la marée commençait à monter et lui, il était là, il disait aux gens, sortez de l'eau, mais on attendait tous, mais à bloc, il était loin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était les vents qui amenaient sa voix vers nous. J'ai compris, Jésus, il est Dieu. Donc, pour que Jésus prêche, pour que l'évangile soit annoncé dans de bonnes conditions, dans de très bonnes conditions, le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin, pour être plus précis, de nos dîmes, de nos offrandes, de nos dons. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Alléluia. Et Dieu a utilisé la barque des Pierre. La barque de Pierre. Donc Pierre a servi de podium à Jésus pour que l'évangile soit annoncé dans de bonnes conditions. Et si dans la foule, il y avait des gens qui ont été bénis par l'enseignement de Jésus, c'est parce que Pierre a donné quoi? Sa barque. Alléluia. Bien-aimé, si nous voulons grandir, si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons voir notre église grandir, nous devons mettre des moyens. Alléluia. Nous devons mettre des moyens. Dieu a besoin de nous. Alléluia. Dieu a besoin de nous. Alors, c'est pourquoi, quand tu as travaillé, quand tu as l'offrande, n'hésite pas, viens. Donne au Seigneur. Alléluia. Et c'est normal que la suite avec Pierre, c'était glorieuse. Alléluia. Quatrième conseil, c'est ta foi qui produira le miracle. Romains 10, 17, nous connaissons ces versets. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Frères et sœurs, quand tu traverses des moments difficiles, qu'est-ce que tu écoutes? Quand tu traverses des moments difficiles, à qui est-ce que tu tends ton oreille? Tu n'es pas obligé d'écouter tout le monde.
Si lorsque ça ne va pas, tu n'écoutes que TikTok, eh bien, ta foi, j'allais dire ta foi sera TikTokée. Ta foi viendra de TikTok. Quand tout va mal, écoute Jésus. Quand ça ne va pas, écoute Jésus. Si tu veux un conseil, prie et Dieu, que Dieu te donne le discernement pour discerner qui, à qui tu dois demander conseil. Ne cours pas sur Facebook pour chercher des conseils. Ne cours pas sur YouTube. Ne cours pas pour chercher des conseils. Le meilleur conseil, c'est la Bible. Le meilleur conseil, c'est la parole de Dieu. Et c'est de là que viendra ta foi. Et ta foi, c'est ta foi qui produira les miracles. Jésus disait à chaque fois, ta foi t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ta foi. Mais cette foi te viendra d'où? De sa parole. Mais si tu ne la lis pas, tu resteras un bébé spirituel. Amen. Pierre n'a pas seulement donné son trésor pour que l'évangile soit annoncé aux autres, mais il était lui-même très attentif pour accueillir la parole qui a produit ensuite les miracles. Alléluia. 1 Samuel chapitre 15 verset 22 dit, Samuel dit, 1 Samuel chapitre 15 verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Il ne suffit pas seulement de donner, mais il faut donner et écouter et mettre en pratique la parole. Alléluia. C'est ta foi qui produira le miracle. Cinquième conseil, n'aie pas peur de revenir au lieu de ton échec ou à l'endroit de ton échec. Nous le trouvons dans le verset 4, toujours Luc 5. Verset 4 dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Lorsque Jésus a fini de parler à la foule, il dit à Pierre, retourne, pas ailleurs, là où tu as échoué la nuit. Jésus pouvait lui dire, bon écoute, comme la nuit vous avez travaillé à droite, à l'est, maintenant vous allez à l'ouest. Non, Jésus dit, non, retournez à l'endroit même où vous avez échoué. Jésus est Dieu. Dans quel domaine tu as échoué? Moi, je ne sais pas dans quel domaine tu as échoué. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine tu as échoué. Mais je sais une chose. Celui qui a fait de moi un canal pour que tu écoutes ces messages veut que tu te relèves de ton échec. Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau, pas ailleurs. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de retourner là où tu as échoué. Si tu as Jésus, n'aie pas peur de retourner là où on s'est moqué de toi. N'aie pas peur de retourner là où les gens ont mal parlé de toi. Si tu as Jésus dans ton cœur, n'aie pas peur. Tu as encore le droit d'espérer. Retourne là où on s'est moqué de toi autrefois. Retourne là-bas. Et c'est là que ton Dieu va transformer ton échec en victoire. N'aie pas peur de revenir à l'endroit de ton échec.
Sixième conseil, reconnaître ton échec. Alléluia. Reconnaître ton échec. Verset 5. Ah, Simon lui répondit, lorsque Jésus, conseil 5, lorsque Jésus cessait de parler, dites à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Ah, Simon lui répondit, maître, tu es vraiment un maître. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pierre, malgré qu'il était professionnel dans ce domaine de la pêche, mais il reconnaît qu'il a échoué. Il avoue qu'il a échoué. Frère, sœur, lorsque tu as échoué, il faut reconnaître que tu as échoué. Amen. Reconnais que tu as échoué. Reconnais que tu n'es rien et tu ne sais rien faire sans Dieu. Tout ce que tu es, tout ce que tu as vient de Dieu. En un instant, Dieu peut s'en passer de toi et trouver quelqu'un d'autre. Ne te glorifie pas de tout ce que tu as. Comme richesse, richesse intellectuelle, richesse matérielle, ne te glorifie pas. Tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Humilie-toi. Ne sois pas orgueilleux, ça ne sert à rien. À rien. Ne sois pas orgueilleux, ça ne sert à rien. Alléluia. Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Plus tu es humble, plus le Seigneur va déverser sur toi ses bénédictions. Alléluia. Pierre, il reconnaît qu'il a échoué. Maître, nous sommes des pros, nous sommes des professionnels. Moi, je sais que si je jette le filet ici, j'aurai des gros poissons. Je sais que si je tourne à droite, j'aurai plus de poissons. Mais je reconnais que j'ai échoué. Je reconnais que j'ai échoué. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Septième conseil. Croire et répondre à la parole de Jésus. Alléluia. Nous le trouvons dans le verset 5b. Mais sur ta parole, Pierre, il reconnaît qu'il a échoué. Et ensuite, il dit, mais, parce que c'est toi qui me le demandes. Ouch. Seigneur, j'ai échoué, je reconnais. J'ai fait les choses à ma manière. C'est pour ça que j'ai échoué. En principe, c'est impossible qu'en pleine journée d'attraper autant de poissons. Une fois, je regardais un reportage sur la pêche et les pêcheurs disaient, la meilleure pêche, ça se passe la nuit. Pourquoi? Parce que le poisson, le gros poisson, il monte à la surface pour renouveler l'air. Et comme il fait noir, il pense qu'il saute toujours en profondeur. Et il se retrouve coincé dans le filet. Donc la mer pêche, ça se passe la nuit. Et Pierre, un professionnel, Jésus lui dit, retourne là où vous avez échoué. En pleine journée, pour pêcher. Pierre dit, maître, comme c'est toi, sur ta parole, je jetterai le filet. Quelqu'un me dirait, mais les autres fois, ils avaient aussi réussi leur pêche. Ils avaient échoué, ils avaient réussi, mais... Quand c'est Jésus qui passe par là, ça laisse des traces. Quand c'est Jésus qui passe par là, ça laisse des traces. Dites-moi, ça fait combien de décennies que nous lisons ces versets?
cette pêche miraculeuse. Nos ancêtres ont parlé de cette pêche. Nous, on en parle aujourd'hui. Et des générations futures en parleront si Jésus ne revient pas demain. Ce qui vient de Jésus, ça laisse des traces. Alléluia. Vous savez que Anne, la mère de Samuel, a eu aussi d'autres enfants. Est-ce que vous connaissez leur nom? Quelqu'un peut me dire le nom des frères et sœurs de Samuel? Mais Anne a touché le cœur de Dieu. Et lorsque Dieu est passé par là, ça laisse des traces. Jusqu'aujourd'hui, on parle. On parle du prophète Samuel. Alléluia. Croire et répondre à la parole de Jésus. Maître, mets sur ta parole, je jetterai le filet. Conseil numéro 8. Posez l'acte qui te demande de faire. Posez l'acte qui te demande de faire. Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Après avoir écouté, après avoir cru à la parole de Jésus, après qu'il ait reconnu, son échec, après avoir dit qu'il va le faire, Pierre passe à l'action. Bon, il pouvait se limiter à la théorie. De dire, Seigneur, sur ta parole, je le ferai. Mais sans le faire, il pouvait se limiter là. C'est ce qui se passe souvent en l'église. Amen. Quand on écoute la parole, on est saisi. On est saisi. Mais juste à la fin du culte, lorsqu'on dit Amen, on oublie tout. Tout ce qu'on a retenu, c'est oh là là, l'adoration aujourd'hui, ça nous a vraiment transportés dans la présence de Dieu. Oui, c'est vrai, mais c'est dans la présence de Dieu, ça se passe là-bas. Mais toi, tout ce que tu retiens, c'est l'adoration, c'était magnifique. Non, l'adoration, tu es arrivé dans la présence de Dieu. Maintenant, tais-toi et écoute Dieu. Parce que plus tu écoutes Dieu, ta foi viendra de ce que Dieu dit. Sa parole. Alléluia. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu vivent leur vie chrétienne dans des sensations, dans des émotions. Pendant la parole, on crie Alléluia, preach. Mais juste à la fin du culte, pose la question, de quoi est-ce qu'on a parlé aujourd'hui? Pas de quoi est-ce qu'on a chanté, mais de quoi est-ce qu'on a parlé? Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. La vraie adoration, ça ne se passe pas en public. Hello. La vraie adoration, ça ne se passe pas en public. Ce n'est pas ce que nous faisons ici. La vraie adoration, ça se passe entre toi et Dieu, dans le secret de ton cœur. Ce que nous faisons ici, ce sont des conséquences, devraient être des conséquences de notre vraie adoration. Alléluia. Lorsque tu as fini avec Dieu, tu es rempli. Tu viens ici. Tu déverses juste ce que tu as reçu. On n'est pas un vrai adorateur seulement le dimanche, non. Alléluia. Cultive ton adoration. Ton adoration doit venir de ton lieu secret, ou même ton mari, ou ta femme qui dort à côté de toi depuis 100 ans ne comprendra jamais. Alléluia. Et que dit la Bible? Deux seront dans un même lit, ça veut dire le couple.
Je ne dis pas de concubinage. Deux seront dans un même lit. Vous imaginez, un seul sera parti et l'autre laissé. C'est pourquoi, lorsque tu as compris ces choses, fais de ton mieux sur la terre, d'aider les autres à comprendre le mystère caché de la parole de Dieu. Si tu as goûté à la gloire de Dieu, fais de ton mieux, de ton mieux, de ton mieux pour parler aux autres de ce Jésus qui a changé ton cœur. Alléluia. Fais de ton mieux. Mais les gens qui sont autour de toi ne verront jamais ce qui se passe dans ton cœur. Les gens pourront dire tu exagères. Oui, mais toi tu sais qui tu es. Tu sais qui est ton maître. Dans le lieu secret, tu es seul à seul avec Dieu. Alléluia. Ne sois pas seulement adorateur ou adoratrice seulement le dimanche. Cultive ton adoration. Et enfin, lorsque tu viendras ici, ensemble, 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 il y aura le feu. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous voulons dans cette maison. C'est ce que nous voulons dans cette maison. Je ne parle pas seulement au groupe de louanges, je parle à toute l'église. Nous devons être tous des vrais adorateurs. Alléluia. Des vrais adorateurs. Moi, je bénis Dieu pour ces groupes. Je vois le fruit du Saint-Esprit. Personne n'est parfait. Mais nous faisons de notre mieux pour vous conduire dans la présence de Dieu. Mais quand vous arrivez dans la présence de Dieu, maintenant vous devez vous taire et écouter Dieu. Et lorsque tu sortiras de là, tu ne manqueras pas le mot pour l'adorer. Alléluia. Ah. Posez l'acte qui te demande de faire. Qu'est-ce que Pierre a fait? L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Pierre prend le filet, le jette dans l'eau. Ils ont commencé à tirer. Ils ont commencé à tirer. Donnez-moi un signe. Ils ont commencé à tirer. Mais comment ça s'est fait que, en pleine journée, je vois que mon filet là, ça commence à devenir lourd. Qu'est-ce qui se passe? Pendant la journée, normalement, je ne peux pas attraper autant de poissons. Il commençait à tirer. Dieu trace un chemin là où il n'y a plus d'espoir. Il agit dans le silence. Il trace un chemin pour moi. Il sera mon guide. Me gardera plus près de lui. Il trace un chemin. Il trace un chemin. Là où c'est impossible, ton Dieu est capable de changer les choses. Là où c'est impossible, ton Dieu est capable de changer les choses. Là où les hommes disent que c'est impossible, il n'y a plus rien à faire, Dieu est capable de tracer un chemin. Tirer le filet, il a commencé à tirer et c'était tellement lourd. Oh, Pierre, il tirait le filet. Et cela nous amène au conseil numéro 9. Quand Dieu te bénit, bénis les autres. Quand Dieu te bénit, bénis les autres. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et y remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient, mais pas coulaient, pas se déchiraient. Il est Dieu. Alléluia. Il y avait tellement de poissons. La seule barque de Pierre ne pouvait pas tout contenir. Et je vois Jésus qui était là. Ce n'est pas Jésus qui a fait appel à l'autre barque. Non, non. C'est Pierre. Et certainement Jésus observait l'attitude de Pierre pour voir.
qu'est-ce qu'il va faire? Autant de poissons, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus a vu qu'il y avait d'autres barques. Jésus était là, il regardait, mais qu'est-ce qu'il va faire? Oh, Pierre a vu qu'il y avait tellement de poissons. Venez, nous allons partager. Ma bénédiction est tellement grande. Venez, nous allons partager. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre. Et dans l'autre barque, il n'y avait pas de poisson. Il dit non, venez, venez, nous allons partager les poissons. Frères et sœurs, imaginons un instant. Si Pierre voulait absolument avoir tous les poissons dans sa barque, s'il voulait se battre absolument pour tout avoir, qu'est-ce qui allait se passer? La barque allait, et la barque, et le filet. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Partager. Plus tu es béni, plus tu deviens une bénédiction. Plus tu es béni, plus tu partages, plus ta bénédiction se multipliera. Alléluia. Frères et sœurs, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun. Alléluia, 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 alléluia. Dieu te bénit tellement. Et lorsque tu continueras à partager ta bénédiction, ça ne s'épuisera jamais. Mais si tu veux garder toute seule ta bénédiction, tu la perdras. Quelqu'un a compris? Deviens une bénédiction. 1 Jean chapitre 3 verset 17 dit ceci. 1 Jean chapitre 3 verset 17. Si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Malheureusement, l'égoïsme habite même le cœur de certains chrétiens. Pierre s'est dit, mais c'est quoi ça? En pleine journée, autant de poissons, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Cet homme n'est pas n'importe qui. Et cela nous amène au 10e conseil, l'avant-dernier. 10e conseil, retourne auprès de Jésus pour l'adorer. Alléluia. Verset 8. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, maître, master, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Lorsque tu reconnais la grâce de Dieu dans ta vie, lorsque tu réalises ce qu'il a fait pour toi, tu ne manqueras pas les mots pour l'adorer. Alléluia, alléluia. Pierre, lorsqu'il a vu le miracle, il a vu ce que Jésus a fait pour lui. Il s'est agenouillé devant Jésus. Il dit non, 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 ce monsieur, cet homme n'est pas n'importe qui. Il s'est agenouillé. Il dit tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et moi je suis sale, je ne peux pas. Je ne peux pas rester avec toi. Tu ne peux pas, Seigneur, rester avec moi. Retire-toi. C'est moi qui est sale. D'après ce que je viens de voir, tu n'es pas un homme. Tu es saint. Retire-toi. Sainte. Sainte. C'est Signore Dio grande. Degno è l'agnello, degno è l'agnello, tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, degno è l'agnello, degno è l'agnello. Tu sei santo.
Daniel. Amen. Pierre, lorsqu'il a vu cela, il s'est agenouillé devant Jésus. Il dit, Seigneur, non, tu ne peux pas rester avec moi. Tu ne peux pas rester avec moi. Retire-toi. Moi, je suis sale, mais c'est toi seul qui es saint. Retire-toi, Seigneur. Retire-toi. Et Jésus, de lui dire, non, Pierre, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Pierre, n'aie pas peur. Comme tu as compris des petites bénédictions, maintenant, je t'élève au rang de général. Tu vas maintenant pêcher les âmes. Comme tu as compris des petites bénédictions de poissons, maintenant, je t'élève au rang de général. Tu vas pêcher maintenant les âmes. Jésus dit, Pierre, le poisson c'est bien, c'est bon dans la bouche et ça finit dans le lieu secret. Et on oublie vite qu'on a mangé le poisson. Mais maintenant, je te donne les bâtons de pêcher les âmes pour les amener dans les lieux éternels. Ouch! Lorsqu'il a commencé à adorer Jésus, Jésus a réagi. Dans l'adoration, plus tu adores, plus tu vas dans le profondeur. Les gens seront toujours étonnés de te voir toujours béni. Les gens seront étonnés de te voir toujours. Plus tu développes ton adoration, plus le Seigneur t'élèvera au rang des généraux. Alléluia. Quel grade tu as dans le royaume des cieux? Veux-tu rester au premier? Non. Il faut monter les psaumes des décrets. Voici les psaumes des décrets. Voici les psaumes des décrets. Tu étais là. Tu adores, tu montes. Tu adores, tu montes. Tu adores, tu montes. Tu adores, tu montes. Et Dieu va commencer à te révéler des secrets. Des secrets. Retourne auprès de Jésus pour l'adorer. Oublie les poissons. Pierre, oublie les poissons. Le dernier conseil. Jésus d'abord. Le reste après. Verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout. Et les suivirent. Alléluia. Frères et sœurs, vous pouvez oublier tous les conseils que nous venons d'écouter. Mais celui-ci, c'est capital. Vous pouvez oublier tout ce que je viens de dire. Mais 11e conseil, Jésus d'abord, le reste après. Pierre a vécu les miracles en live. Mais lorsqu'il a compris qu'est-ce qu'il a fait, il vient, ils ont ramené le barque à terre, les poissons, les miracles, ils laissèrent tout. Les miracles, restez là-bas. Je vais suivre celui qui produit les miracles. Ne sois
soyons pas focalisés sur le miracle, frères et sœurs. Nous courons trop dans ce monde pour le miracle. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste. Et tout le reste. Nous serons donnés par-dessus tout. Tout le reste seront des surplis. Cherchons d'abord Jésus. Oh, 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 ne restons pas focalisés sur le miracle, frères et sœurs. Suivons d'abord celui qui produit le miracle. Son nom, c'est Jésus-Christ. Le miracle ne t'amènera jamais au ciel. Est-ce que quelqu'un m'attend cet après-midi? Le miracle ne t'amènera jamais au ciel. Tu n'iras jamais au ciel parce que tu as vécu un miracle. Jamais. Le seul chemin, le seul chemin qui t'amènera au ciel, c'est la grâce que tu as accueillie dans ton cœur en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, pas de place au ciel. Tu peux vivre des miracles que tu veux. Judas a vécu des miracles avec Jésus. Et nous savons comment il a fini. Pierre a failli rater le ciel à cause de son péché. Mais il a vécu des miracles. Ne restons pas focalisés sur le miracle. Miracle, 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 miracle. On rentre sur YouTube, miracle, miracle. Facebook, miracle, miracle, miracle. Non. Allons-y d'abord chez celui qui produit le miracle. Son nom c'est Jésus. 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 Lui n'échouera jamais. Il n'échouera jamais. Et Pierre a compris cela. Pierre, malgré tout ce qu'il a vécu, il prend le miracle, il est cher, il suit Jésus. Yesu d'abord, Jésus d'abord, Jesus first. Jésus d'abord, le reste c'est après. Jésus d'abord, le reste c'est après. Arrêtons de courir derrière les miracles. Donnez-moi un sol. Sainte croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois, grâce souveraine. Seigneur, le sang de ta croix, mes péchés s'efface, tu me lèves et je le crois, du mal plus de traces. Oh, s'en va, Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de ta croix que je me confie. Ô Sauveur, Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de ta croix que je me focalisons-nous sur Jésus, sur la croix. Ne courons pas derrière le miracle. Ne courons pas derrière le miracle. Mais suivons d'abord celui qui produit les miracles. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Suivons d'abord celui qui produit ces miracles. Lui n'a jamais échoué, il n'échouera jamais. Prosterné devant la croix, sur le mont Calvaire, de Jésus j'ai fait mon choix. En lui seul j'espère, jusqu'au bout la sainte croix, oh, sera mon seul thème, car près d'elle j'entrevois, oh, au loin le ciel même, au sauveur, oh, sauveur, redempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le son de ta croix que je me confie. Sanjola, Sanjola, Bona ekulusu, kuna ye akufeli, batuma benyo, sanjola, sanjola, sanjola. A pensé à toi. Il a pensé à toi parce qu'il veut que tu te relèves de ton échec. Il veut que tu sois bien. Il veut que quand tu viens dans sa maison, que tu sois prêt à l'adorer. Alléluia. Tu as connu un échec. N'aie pas peur de retourner. Si c'est dans le domaine du mariage, eh bien, lorsque une autre personne se présentera, n'hésite pas, prie. Et lance-toi. Tu as le droit d'espérer. Tu as connu un échec dans les études. N'hésite pas de retourner aux études. Tu as le droit d'espérer. Tu as connu l'échec dans ta famille. Tu ne t'entends plus avec ta famille. Ah ben Dieu te dit cet après-midi, tu peux encore retourner dans ta famille. Car il veut te voir heureux. Alléluia. Tu as connu un échec dans les affaires, mais tu as encore le droit d'espérer. Car avec lui, tout peut encore changer à ta faveur. Tout peut encore tourner à ta faveur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre sentier. Seigneur, merci pour ta parole qui guérit. Merci pour ta parole qui restaure. Seigneur, ta parole qui nous rappelle encore, Seigneur, que tu es le Dieu de la seconde chance. Merci, Seigneur. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé. Oh, Seigneur, tu es tout puissant. Tu es tout puissant, Seigneur. Tu connais les besoins des uns et des autres, Seigneur. Et Père, je prie, Seigneur, comme ton serviteur l'a fait, Seigneur, pour cette personne qui a connu l'échec dans sa vie, Seigneur, et qui avait mis un point là où toi, tu n'as pas encore mis le point final.
Seigneur, je prie que ta grâce, Seigneur, visite cette personne afin qu'elle reçoive de toi l'assurance que tu ne l'as pas abandonnée, Seigneur mon Dieu. Afin qu'elle reçoive de toi la certitude, Seigneur, que tu l'aimes. Seigneur, tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, que le miracle est un processus, Seigneur. Et que tu nous prépares afin que lorsque le miracle, la bénédiction vient, Seigneur, que nous puissions être équipés et prêts et capables de gérer cette bénédiction. Père éternel, je te prie pour cette personne dont le désespoir s'est agrandi tellement qu'il a pris le dessus sur sa vie spirituelle. Je te prie, Seigneur, que ta parole que tu as envoyée ce matin, cet après-midi, Seigneur, qu'elle pénètre dans le cœur, Seigneur, et qu'elle ravive la confiance, l'assurance. Dieu de grâce, merci. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous abandonnes pas. Tu n'as jamais oublié ni abandonné aucun de ceux qui se confient en toi, Seigneur. Et jamais ceux qui se confient en toi, Seigneur, ne sont dans la confusion, Seigneur. Oui, nous déclarons, la confusion sera dans les camps de l'ennemi, Seigneur Dieu. Parce que toi, tu vas encore restaurer des vies. Parce que, Seigneur, tu vas relever les personnes qui étaient désespérées, qui avaient perdu tout espoir de reprendre des études, de renaître, de refaire un nouveau pas avec toi, Seigneur Dieu, de repartir avec toi, Seigneur. Oh, j'aime ta parole, parce que tu nous rappelles, Seigneur, qu'avec toi, nous allons non pas de défaite en victoire, mais de victoire en victoire. Seigneur, nous commençons avec toi par une victoire et nous avançons de victoire en victoire et de gloire en gloire. Fais, Seigneur, que cela soit le partage de tous ceux qui ont mangé ta nourriture ce matin, Seigneur. De tous ceux qui ont reçu, Seigneur, le pain de vie que tu as semé, que tu as déposé dans nos cœurs. Que ta bénédiction accompagne toujours ton serviteur. Que ta grâce recouvre toute sa famille, Seigneur. Que ta grâce recouvre ses finances, sa vie sentimentale, ses besoins personnels, son onction, Seigneur, l'onction que tu déposes sur lui, qu'elle soit multipliée. Et nous recevons de toi tout ce que tu nous donnes, ce qui est dur comme ce qui est facile à absorber, parce que nous savons que tout cela est toujours pour notre bien. Et nous te bénissons avec des acclamations au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Et si nous avons besoin d'une prière spéciale, parce que nous sommes justement dans le processus de nous relever, n'hésitons pas à approcher l'homme de Dieu ou les serviteurs de Dieu pour cette prière-là. Amen. Si vous voulez qu'on prie pour vous maintenant, levez la main, on va le faire. Mais sinon, vous pouvez... Ah bon, voilà. On va le faire. Vous pouvez venir, maman. Venir, maman, si vous êtes dans le processus. Si vous avez besoin que Dieu vous aide à vous relever, n'hésitez pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, je suis vers toi. J'ai besoin.
de toi, Dieu fidèle. Ne change pas, tu ne changes pas. Thank you.
perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu notre Dieu, pour ton œuvre. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Au nom de Jésus. Amen.
Gloire à notre Seigneur. Amen. Nous allons préparer notre offrande. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur, bien entendu. Gloire à Dieu. Nous nous levons pour remettre ce moment des offrandes entre les mains du Seigneur et nous prions avec Samuel. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci encore pour ta parole que tu nous as donnée. Maintenant que nous allons passer à l'offrande, que ça puisse te faire du bien, toi et ta maison. Au nom de Jésus, j'en suis prié. Amen. Amen. Nous apportons notre offrande avec la louange dans nos bouches. Amen. Amen. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde la création autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
espérons tous en toi. Oh oui, gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. À Golgotha, à Golgotha, à Golgotha, Jésus m'a sauvé. À Golgotha, à Golgotha, à Golgotha, Jésus m'a sauvé. À Golgotha, à Golgotha, à Golgotha, Jésus m'a sauvé. À Golgotha, à Golgotha, à Golgotha, à Golgotha, Jésus m'a sauvé. Oh, gloire à Jésus, auteur de notre joie. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, oui, gloire à ton nom, auteur de notre joie. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. À Golgotha, hey. À Golgotha, hey. À Golgotha, Jésus m'a sauvé. À Golgotha, à Golgotha, à Golgotha, Jésus m'a sauvé. Gloire à notre Seigneur Jésus. Amen.